Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur Rock. Aujourd'hui les amis, une vidéo un peu spéciale parce que je suis bien contraint par le temps car comme vous le voyez, regardez cette belle balise, 7h13 UTC. Alors là, au moment du record, il est 5h37 UTC et vous le voyez à présent dans 1h36 et 27 secondes, l'ouverture des Terres du Roi va commencer sur mon KVK numéro 4. Donc on est sur le numéro 4. Les autres ont peut-être déjà été ouverts, j'ai pas été voir. J'irai voir qu'à partir de la fin de journée pour vous en faire un retour sur les autres jours de la semaine. On va se faire plusieurs vidéos où on va aller voir ce qui se passe sur les Terres du Roi dès demain et les autres jours sur les autres royaumes, sur le KVK 1, 2, 3, 5, etc. Normalement, on va essayer d'aller voir les 10 premiers, voir qui va gagner. Ça vous donnera aussi une idée si vous souhaitez migrer, voir quel serveur a été performant ou pas lors de ce KVK. Mais avant cela, je voulais vous montrer également les scores de mon royaume, puisque souvent je vous parle, je vous dis allez voir, allez comparer avec le vôtre, ça va vous permettre de vous donner une idée. J'ai récupéré grâce à l'un d'entre vous, merci encore, les scores du roulement d'honneur individuel, d'alliance et de royaume d'un des plus gros royaumes, d'un plus gros KVK, celui avec bien évidemment les deux méga baleines, Marverick L et Baba. Et on va pouvoir comparer. Alors si on regarde le score individuel sur mon royaume, où les scores sont quand même assez intéressants, le premier est Beast avec 642 000 du 1359 hein, de chez les BS. Donc c'est assez énorme je trouve. Le deuxième est des 169 à 629 000. Et le troisième est de chez nous, les 256, les WOS, avec 616 000. Donc moi c'était des scores que je trouvais quand même assez élevés. Vous pouvez me dire en commentaire hein, ce qu'il en est chez vous. En alliance pareil, le premier 10 millions, deuxième c'est nous 8 millions 6 et troisième a mis 8 millions presque 200, et après l'écart est creusé. Et pour finir, on est avec le 12-14 en tête à 22 millions, alors là c'est énorme. Le deuxième à 20 millions, le 13-59, et le troisième nous-mêmes à 20 millions. Et vous le voyez, on a refait notre écart et on risque de réussir à passer le 13-59. Alors ça va dépendre de ce qui va se passer en Terre du Roi bien évidemment, mais je vous avais dit hein, qu'on leur courra après depuis un certain temps. On a réussi là à réduire fortement l'écart qui est monté jusqu'à 200 000 points, et normalement si ça se passe bien, on devrait leur passer devant, à moins que les 1359 hein, qui nous regardent et qui m'écoutent arrivent à nous écraser en Terre du Roi, et donc forcément là ça fera la balance pour eux et ils reprendront de l'avance. Comparons donc avec le serveur de Baba et de Marverickel, le KVK. Regardez sur leur royaume déjà en individuel, le premier est à 914 000 et ce n'est même pas Marverickel hein, alors que Marverickel est en train de faire un stage 4 énorme puisqu'il était à plus de 700 000 points hier. Il est juste derrière un membre des JWM, derrière Max qui le dépasse d'un rien, mais à mon avis sur la fin Marverick L va gagner. Et on voit les JWM sont vraiment des joueurs à la CB infinie puisqu'ils trustent toutes les places. Apparemment d'après ce qu'on m'a dit, ils sont 60 dans les 61 premiers, quelque chose comme ça. Donc c'est eux qui ont toutes les places devant. Si on regarde au niveau de l'alliance, donc ils sont presque, ils ont plus de 50% de plus que le premier chez moi. Si on regarde au niveau de l'alliance, en revanche, c'est quand même plus bas que chez moi hein, puisque le premier, les 12-44 sont qu'à 7,5 millions. C'est même plus bas que le troisième, il serait que quatrième chez nous le premier. Et les JWM sont qu'à 7 millions. Alors donnez-moi votre point de vue, mais moi je trouve pas ça énorme en score. C'est vraiment étonnant qu'avec des joueurs aussi puissants en termes de compte en banque, ils aient des scores aussi faibles. Moi, j'ai été étonné de ces scores qui ne sont pas très élevés en alliance. Et donc forcément, ça se ressent sur les scores de royaume, puisque si on regarde les scores de royaume, le premier chez moi serait aussi que quatrième puisqu'il est qu'à 17 millions de points. Et sachant que nous, troisième, on est à 20 400 000 et le premier est à 22 100 000. Donc vraiment, là, on y est autant en individuel, c'est des superstars, autant en alliance en royaume, c'est un petit peu décevant de mon point de vue bien évidemment. Je ne dénigre pas du tout les scores qu'ils font, mais on aurait pu s'attendre à beaucoup plus élevé. On va voir comment ça va se passer pour ceux qui avaient cas en Terre du Roi, parce qu'à mon avis là les mecs ils vont pas lésiner leurs efforts et ça va y aller quand même sévère. Revenons-en donc au 12-56 et à ce mail in-game qu'on a reçu, hein, ce mail assez surprenant d'une mise à jour anniversaire qui sort de nulle part. Alors est-ce que
que c'est bien une mise à jour anniversaire ou pas, système, nouvelle règle du matchmaking. Ah, j'avais même pas vu ce mail, voyez, je voulais aller dans la mage 1038, oui c'est bien le mail du festival d'anniversaire, et je tombe sur le tombeau d'Osiris, c'est nouvelle règle de matchmaking. Alors que nous disent-ils? Il est tombé il y a 2 heures, donc il est tombé durant la nuit pour nous en Europe. Sur la base de vos précieux blablabla, matchmaking, après de nombreuses déviations, nous avons décidé de suspendre l'utilisation de la série victoire défaite pour le calcul des classements généraux de cet événement. La note de MM, le nombre de combats et l'histoire continueront de compter. Ah, c'est intéressant. Ce changement s'appliquera à partir de la prochaine tombe. Nous excusons sincèrement. Je ne sais pas pourquoi ils suspendent cette histoire de classement. C'est assez étonnant. J'aimerais bien avoir les dessous de cette histoire, mais à mon avis, on ne le saura jamais parce que ça n'a rien à voir. En fait, ça ne change rien, ce système de classement. Et moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Enfin, intéressant s'ils nous avaient expliqué comment ils le calculaient exactement. Parce que là, c'est clair que la position, le classement nous semble assez aléatoire puisque vous l'avez bien vu. Nous étions deuxième avec 7 séries de victoires et 6 séries de victoires. On a gagné la 7ème série, donc on est passé à 7 séries de victoires consécutives et on est tombé à la 4ème place. Donc c'était assez étonnant. Ils ont fait des changements entre temps sans nous prévenir. Donc j'ai l'impression qu'ils font plus n'importe quoi et que ça bug plus. C'est pour ça qu'ils le suspendent plutôt que vraiment écouter notre retour. Et là, il nous faut une vente. Revenons-en donc maintenant à cette mage 1038 et le festival d'anniversaire. Alors j'ai attendu pour vous en parler. J'aurais pu vous en parler hier, mais je voulais, comme d'habitude, les screenshots et avoir le post sur les outils de communauté comme Facebook, Discord ou Twitter pour avoir les screens de à quoi ça va ressembler. C'est pas une mise à jour de ouf sur le papier et l'un d'entre vous m'avait fait une erreur. Il m'a contacté d'ailleurs pour en discuter et il avait cru à tort quelque chose. On va revenir dessus. Si vous avez fait la même erreur ou la même croyance, on regarde donc le point 1, festival d'anniversaire. On va avoir des events classiques. Est-ce que on va avoir un nouveau commandant qui va être donné pour l'anniversaire, comme ça a été le cas par le passé, un nouveau commandant légendaire? Je ne sais pas, ils en parlent plus bas d'un autre commandant, mais là on a surtout des events zénith du pouvoir, entraînement aux armes, on défile aux arbres, maintenant on l'a souvent. Donc là c'est une série d'events classiques liés à un patch, liés au mois de septembre pour la rentrée à mon avis aussi, ou sinon il faut cumuler deux mages avec deux events, celui de septembre et celui de l'anniversaire, et on va avoir comme d'habitude un pack spécial. Je vous rappelle ce pack spécial, si vous hésitez à acheter des packs, celui-là c'est vraiment à chaque fois, celui de l'événementiel, l'un des meilleurs packs du jeu, donc n'hésitez pas à l'acheter. Si vous hésitez et que vous avez les moyens, c'est vraiment un excellent pack. Et en plus, ça vous permet d'avoir les bonus qu'il donne et de pouvoir avoir plus de sculptures en or, surtout avec le système d'achat pendant 5 jours où il faut acheter au moins 2500 gemmes. Donc là, c'est vraiment toujours le bon plan. Les events classiques, ça permet un peu de se rincer. Puis aussi, ça va permettre d'occuper, puisqu'on si ça sort comme prévu, donc c'est le 31 août, si je dis pas de bêtises, ça devrait durer 3 heures. On aura quand même bien avancé dans les terres du roi. On sera plus dans une phase un peu plate de notre KVK Light and Darkness. De optimisation du système de commandant, c'est là que c'est intéressant. Ils ont apporté des ajustements, alors ils disent que c'est toujours grâce à nous et tout, c'est super. Apporté des ajustements aux descriptions des compétences pour rendre plus clair. Ils en avaient parlé dans les dev feedback que je vous avais présenté il y a de ça 2 mois à peu près. Ils avaient dit qu'ils allaient refondre le système de présentation des skills pour que ce soit plus compréhensible. C'est vrai qu'il y a les mêmes skills, les mêmes descriptions qui ne faisaient pas les mêmes choses sur des commandants différents, donc c'était assez étonnant. Là je pense qu'ils vont corriger ça. Ils ont ajusté les explications en termes de clés, exactement ce que je viens de vous dire. Autre optimisation, donc c'est là que ça devient intéressant. Nous avons ajouté une fonction d'action rapide pour les zones non occupées. On peut maintenant appuyer de façon prolongée sur une zone non occupée pour effectuer un certain nombre d'actions liées aux troupes. Là, je demande à voir parce que c'est assez confus s'ils expliquent là. Si vous avez votre idée sur le sujet, encore une fois, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Mais là, leur explication, en tout cas, elle est très confuse. J'espère que ça sera une bonne surprise. Le point 2, ils ont optimisé l'écran des événements incidents étranges. Bon, ok. Lorsque vous avez dépensé vos points d'action, vous pouvez maintenant utiliser des gemmes pour remplir immédiatement. Les gemmes requises augmenteront avec le nombre d'utilisation de cette fonction. Alors ça, je ne comprends pas bien ce point parce que ça existait déjà. Quand on était low en points d'action, on pouvait cliquer et qu'on n'avait plus de potions, on pouvait cliquer. Donc je ne peux pas vous le montrer là parce que j'en ai en stock des potions d'action. On pouvait utiliser des gemmes. D'abord 100 gemmes pour récupérer 500 points d'action, puis 150 gemmes pour 500 points d'action, encore une fois, si vous ne l'avez jamais fait. Voilà, je pense que là, peut-être, il parle de la remplir complètement. Donc, et non plus racheter des coûts de 500. C'est vrai que c'était assez hors de prix, 100 gemmes pour 500 points d'action. Moi, je trouvais que c'était du vol, sachant que les points d'action, on en a quand même pas mal besoin sur beaucoup d'événements.
Donc on va voir ce qu'ils ont décidé de faire, si c'est vraiment remplir la barre à 100%. Si c'est le cas, c'est pas non plus une mise à jour, c'est pas, enfin ça mérite pas d'être affiché là comme ça sur un point d'une mise à jour, ça devrait être juste un annexe d'un point. Ils ont optimisé l'affichage d'attributs pour équipement des plans. Ok, on peut maintenant appuyer sur un plan. Bla bla bla. Une nouvelle commandante. Voilà celle dont je vous parlais. Mathilde de Flandre, pour nos amis de Belgique, très probablement, sera ajoutée à la taverne. Alors là, l'un d'entre vous avait confondu la taverne avec l'expédition. Donc non, non, c'est bien la taverne. Une fois qu'elle sera ajoutée, il y aura un petit ajustement aux probabilités des récompenses de coffre en or. Donc, on a bien compris, elle sera ajoutée au coffre en or. Consultez la page des détails, blablabla. Donc on verra la probabilité. Donc la correction, c'est ça. C'est la probabilité d'avoir le reste va donc changer puisque il va avoir un nouvel item qui va être ajouté. C'est pas mal. Je me demande si ça sera un commandant légendaire ou un commandant épique. Normalement, jusqu'à présent, quand les commandants sortaient tout seuls, c'était des commandants épiques. Quand ils sortaient en binôme, c'était des commandants légendaires. Donc moi, je parierais que Mathilde de Flandre sera un commandant épique, mais de l'autre côté, si elle était épique, pourquoi ne serait-elle pas dans les co coffres en argent? Donc, je me trompe peut-être, c'est peut-être une légendaire, on va bien voir. J'espère que ça ne sera pas une farmeuse. En tout cas, c'est bien qu'il la rajoute, mais ça aurait été mieux que ce soit l'expédition en cumul d'Ethel Fleda, ou si on est full en Ethel Fleda, qu'on puisse avoir Mathilde de Flandre à la place dans l'expédition, parce que les sculptures d'Ethel Fleda ne nous servent plus à rien une fois que vous êtes à fond. Les sculptures de Richard Ier et YSG, pardon, seront ajoutées aux offres spéciales journalières. Là aussi, entre vous avez confondu, ce n'est pas les coffres en or, hein, les offres spéciales journalières, hein, ce n'est pas les coffres de la taverne. Les offres spéciales journalières, je vous le montre tout de suite, les offres spéciales journalières, non, c'est pas ici, c'est quand on va ici qu'on a trop d'argent. Offres spéciales journalières, c'est ici, quand vous avez fini un peu tout le monde. Alors, la question, c'est où vont-ils les rajouter? Est-ce qu'ils vont les rajouter en premier et deuxième commandant, ou une fois qu'on a fini César, le Cid, Martel, Cao Cao, parce que pour le moment c'est ça, c'est Cao Cao, Martel, après je crois que c'est César et après le Cid ou l'inverse, le Cid puis César. Est-ce qu'ils vont les rajouter après ces quatre-là ou est-ce qu'ils vont les rajouter en premier? Moi je pense qu'ils devraient les rajouter en premier parce que c'est vraiment deux must-have, ces commandants qui sont Richard et YSG. Moi je les ai les deux optimisés et j'en suis bien content. Et qu'est-ce qu'ils racontent d'autre? Ils racontent rien d'autre. Bon, le problème c'est que la plupart d'entre nous, enfin beaucoup de joueurs, même des Lost Wonder, ont focus ces deux commandants et c'est un peu tard de les rajouter maintenant. Et mon point de vue c'est qu'ils devraient être dans les coffres en or comme ils l'étaient au tout début du jeu, vraiment pour les serveurs les plus vieux. 8. Vaincre un fort barbare lors de l'événement Lumière contre Ténèbres octroie désormais un camp, un montant fixé de points et n'est plus affecté au nombre de troupes ayant participé au rassemblement. Là, c'est quand même plus judicieux parce que c'était vraiment n'importe quoi et c'était comme ça qu'on faisait exploser les scores avec nos comptes de farm notamment et on remplissait, on blindait à mort les rallyes avec des tout petits montants, des 30 000, des 10 000 troupes seulement pour avoir le plus de troupes possible, le plus de points. Dernier point, 9. Chaque gouverneur ne peut désormais envoyer qu'une troupe à la fois dans l'événement La Route de la Soie. Bon là, c'est logique, on a bien vu qu'ils sont en galère avec les lags de serveurs et quand on en envoie plein, et ben, ça fait de plus en plus ramer. Et ça vraiment rend des difficultés pour tous les joueurs. Donc c'est pas mal. Les gouverneurs qui ont rempli le formulaire, blah, cliquez, vous pourrez avoir un cadeau, une récompense. Je le fais que rarement, moi. Les récompenses, je ne sais pas ce qu'elles valent, je ne me rappelle plus parce qu'au début je le faisais. Maintenant, je ne le fais plus. Hop là, c'est fini pour cette mise à jour et on en revient aux events en cours puisque la cérémonie de carrière que je vous l'ai dit, il faut le faire, c'est de la balle. Nous, comme je vous l'avais dit dans mon alliance, on l'a fait hier. Si vous êtes au KVK, la Hated Darkness, c'était vraiment hier qu'il fallait le faire dès le premier jour pour en être débarrassé. Parce que ça va bastonner après et donc ça va être tendu avec l'ouverture de Terre du Roi de faire les boss. Et on a eu qu'un seul event, alors vous en avez peut-être eu d'autres sur votre royaume. Enfin on a eu prêt à l'attaque et armée surpuissante, mais c'est pas ça qui est intéressant. On a eu Jardin de l'Infini, alors je vais faire mon petit tir gratuit. Est-ce qu'il a changé quelque chose? Et effectivement, regardez, il y a eu une petite modif sur les Jardins de l'Infini. Alors ils ne l'ont pas dit mais ils ont quand même fait cette modif. Regardez, alors les Jardins d'Infini, c'est un event que j'ai longtemps critiqué parce que pour moi, c'est vraiment l'event des méga baleines. Mais c'est maintenant, à un certain niveau de jeu, on est obligé sur le endgame d'investir massivement des gemmes dedans. Je ne vais pas le faire là parce que 1, vous avez vu, j'ai 774 gemmes, donc il va falloir que j'en achète. Et 2, j'ai pas envie d'y investir tout de suite, surtout. Et vous allez le voir, donc regardez, le x2 qui est là, ils l'ont décalé avant, il était en 5. 1, 2, 3, 4, 5, je crois qu'il était là avant, bah, ils l'ont décalé, ce qui fait que maintenant, au premier lancer,
on a forcément quelque chose, même avec le plus 3, si vous tombez sur le plus 3 avec un 1, vous faites après, vous tombez là. Donc quoi qu'il arrive, on tombe forcément sur quelque chose. Alors moi, je ne vous cacherai pas que j'aimerais bien tomber là-dessus. Matériaux niveau 5 qui est pour moi, donc vaut mieux faire un petit 2 quand vous faites votre lancer gratuit, ce qui est pour moi le lancer le plus intéressant. Mais c'est bien de leur part d'avoir fait décaler le x2, puisque maintenant vous avez l'assurance d'avoir quelque chose. Alors moi je fais un 6 évidemment, je veux faire un 2, je fais un 6, et à l'inverse, quand je voulais faire un 6, je fais des 2. Donc c'est un peu naze, j'ai obtenu 3 coffres de niveau 4. Bon, c'est pas ouf, j'aurais très largement préféré avoir, comme je vous l'ai dit, ce fameux coffre de niveau 5, ça m'aurait été beaucoup plus utile. Donc voilà pour les events en cours, nous grosse préparation donc pour les terres du roi. Et je vous le redis, hein, les terres du roi, n'hésitez pas, vous allez prendre des morts, mais ce n'est pas grave, c'est le jeu. Et par la suite, c'est ce qu'on discutait encore hier sur le serveur, par la suite, vous aurez 2 ou 3 mois pour refaire vos troupes. Et croyez-moi, si vous êtes sur des serveurs vraiment qui sont performants, pas qui gagnent forcément, hein, mais qui sont performants et avec beaucoup d'actifs, vous aurez largement de quoi vous refaire sur ces 2 à 3 mois avec les troupes. La stratégie pour nous, elle va être classique, je vous en ai déjà parlé, hein. On a 2 gros adversaires, hein, le 10-77 qui est là et le 13-59, mais sans médire sur la puissance des PKC et des 7KDX, hein, qui reste le 69. Et le serveur de 7KDX qui reste des très gros adversaires aussi, et les LTT vont avoir fort à faire, comme les 340. De mon point de vue, je pense que ça va être très très tendu au nord entre les 12-14 et le 13-59. Je ne saurais vous dire qui va gagner parce que pour le moment, la domination des ruines et de l'hôtel était côté 13-59, mais le 12-14 est un serveur avec beaucoup d'alliances de très haut niveau, et c'était donc plus dur pour eux d'avoir toutes leurs alliances qui sont dans les ruines en même temps parce qu'ils ont énormément d'actifs, mais le 13-59 aussi. Donc ça risque d'être tendu. Avec le 10-77, hier pour la première fois, nous avons réussi à avoir les 2 ruines. Donc à mon avis, ils se réservaient pour l'ouverture des terres du roi parce que je pense pas qu'on les ait fatigués. Mais les 2 ruines étaient à nous hier, on les a eu les 2 pendant 1 heure. Donc ça, c'était vraiment de la balle. Avant de vous quitter, on va jeter un œil au KVK numéro 1 et voir à quelle heure eux, leurs portes ouvrent, puisque on commencera par celui-là lorsque je vais vous faire une chronique de ce qui se passe en terre du roi, puisqu'on a le choc, hein, on a le 1093, bien évidemment le serveur le plus puissant de tous les royaumes actuellement, le premier impérium depuis très longtemps. Mais on a aussi un combat entre le 1331 et le 1341, déjà un combat sur les réseaux sociaux de trash talk, hein. Ça a bien, bien trash talké si on se permet de faire cette francisation bien dégueulasse. Et on le voit, ils sont aussi prêts à la furie. Regardez, ils ont toutes leurs forteresses qui sont autour. Juste le jaune de ce côté-là, il n'a pas collé ses forteresses, et le bleu aussi. Mais les autres sont au taquet et les portes vont ouvrir à présent chez eux dans 1h48. Donc elles vont ouvrir juste après les nôtres. Donc je ne pourrais pas vous faire bien évidemment un record de l'ouverture des terres du roi des autres royaumes, puisque nous on a prévu ça va être très tendu les 4 à 6 premières heures, c'est classique. Mais on le voit, tous les royaumes sont sur le pied de guerre et ils ont tous une ouverture qui est à peu près pareille. Je vais vérifier avec le KVK numéro 2, le 1254, voir s'il n'y en a pas un qui était un petit peu en avance par rapport à nous, parce qu'on serait le premier à ouvrir. Ça serait étonnant. 1h03, non, le premier à ouvrir dans les 3 qu'on vient de voir, donc le mien, le KVK4 et le KVK 1 et 2. Et pour le moment, le KVK numéro 2, allez, on va aller voir le 3ème, puisque comme ça, on aura fait les 4 premiers avec le nôtre, voir dans combien de temps il va ouvrir. Et comme ça, on va pouvoir avoir un point de repère. Et comme ça, je saurai qui allait suivre en premier. On finit donc avec le KVK numéro 3. Et leur porte ouvre dans 1h43. Donc tout le monde est sur la même base, hein, ce qui montre vraiment l'activité des royaumes, puisque c'est lié à la chronique lors d'ouverture. Je vais bien évidemment, les amis, vous faire un record de ce qui va se passer. Vous verrez tout ça dès demain. On a prévu vraiment, évidemment, que ce soit la guerre, une guerre sans merci. 1h17 à présent. J'espère, les amis, que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à lâcher un colossal pouce bleu. Vous le savez, ça aide énormément le développement de la chaîne et je vous en remercie. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos. Le temps tourne, les amis. L'ouverture des terres du roi, c'est pour dans moins de 2 heures à présent. Je ne manquerai pas de vous faire tous les rushs. Ça risque d'être énorme. Je vous souhaite un bon jeu à tous. Prenez soin de vous, faites bien attention à vous et je vous dis à plus
sur Rock.